Vous êtes sur RTL. Vous vous souvenez du film L'aile de la cuisse avec De Funès et ouais. Coluche, mais à l'origine, c'était De Funès et Pierre Richard qui devaient le jouer. Oui. Oh. Ah, bah, oui, c'est vrai. Alors, oui. Encore une gaffe, Pierre Richard. Non, mais on ne sait pas. Et pourquoi vous avez refusé? Parce que j'aimais pas le vous rôle. Vous n'aimez pas le rôle, oui. Parce que j'avais fait deux films avec Zidi, j'aimais bien Claude. Et puis De Funès, quand même, c'était pas n'importe qui. Au contraire. Mais j'aimais pas le rôle. Et si j'aime pas le rôle, je me dis tous les matins, oh là 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 là, faut que je joue ça. Je me suis jamais obligé à jouer quelque chose que j'ai pas envie. Même bien payé. D'ailleurs, j'ai dit à Fechner, le producteur, qui m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas? J'ai dit, parce que j'aurais l'impression d'aller à l'usine tous les jours. Il m'a dit, à ce prix-là, on peut y aller. Je dis, pas moi. Mais le plus fort, c'est que le matin, à 7h30, 8h, j'étais dans mon lit, c'est réveil, je prends le téléphone, en général je le prends pas à cette heure-là, mais je le prends, et allô, et j'entends, c'est Louis, Louis de Funès qui m'appelait à 8h. Alors j'étais là, oui, Louis. Il me dit, mais qu'est-ce que j'apprends, vous faites pas le film? J'ai dit, non Louis, mais pourquoi? J'ai dit, parce que j'aime pas le rôle, Louis, Dieu sait que j'aurais aimé jouer avec vous, mais je sens pas le rôle et tout. Et il m'a dit cette chose stupéfiante, il m'a dit, mais le scénario, il est comment? Je dis, il est bien le scénario, ça n'a rien à voir, j'allais pas. Ouais. Je dis, il est bien le scénario, mais j'ai compris qu'il n'avait pas lu, lui, il s'en fout. Ah non. Il signait. Il s'en foutait, lui. Ah ouais. Il m'a dit, comment il est le scénario? Donc, ouais. Il n'avait pas lu, il me demande. Ouais. Il est bien, lui, il est très bien. C'est génial. Oh, vous auriez dit le contraire, vous n'avez pas le film non plus. Alors, il dit, ah bon, ben, très bien, allez, au revoir. C'est le genre grec, paf, tchoum. Ah oui. Ah non, et lui, j'ai compris qu'il ne les ait pas forcément, parce qu'il sait toujours qu'il pourra se sentira.